Et yo tout le monde, c'est Dacos. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc, la vidéo consiste à vous faire montrer le nouveau lance-roquette qui est là, ici. Donc, en fait, je vais essayer de faire une kill avec et même un top 1. Donc, je suis top 24. Je vais essayer de faire le top 1. Mais là, je reçois tout le temps des vibrations. C'est contrairement à ça là-bas. Là. Elle est plus visible. Ah, elle est là-bas, regardez. Le truc, il y a des rumeurs sur cette boule bleue qui arrive. Enfin, il y a des rumeurs sur ce truc bleu là, qui est affiché là-bas. Donc en fait, souvent on peut trouver des télescopes autour de Tilted Tower. Donc au bout de Tilted Tower, on peut en trouver aussi ici également. Donc en fait, par contre, lui, je le sens pas trop cette base là. Non, c'est bon. Petite vidéo. En fait, cette vidéo consiste à vous faire montrer le lance-roquette déjà de nuit et de vous faire montrer la petite boule bleue là, qui est là-haut qui se cache. Donc, en fait, comme vous le voyez, elle se déplace. Regardez, elle bouge. Donc, en fait, ça, c'est un signe d'une comète, on dirait. On dirait pas une comète pour vous. Regardez. Attendez. Regardez, on dirait pas. Comme. Attendez, où? Oh, elle a disparu sous le. Elle a disparu derrière la tempête. Ou à la zone, par contre, elle est un peu loin là. Donc, en fait, comme vous le voyez, cette boule bleue là, qui était ici, en fait, tout le monde dit qu'il s'agit d'une comète. Donc, comme vous le savez, que Tilted Tower est beaucoup fréquenté. Donc, j'ai même pas besoin de vous faire montrer des exemples, parce que vous savez très bien qu'elle est très fréquentée cette ville. Donc, en fait, Epic Games. On peut être décidé de la détruire. Comme ça, en fait, tout le monde va se répartir dans la map et non ici, à Tilted Tower. Donc, en fait, Epic Games ont eu l'idée de. Ou peut-être, hein, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Ont eu l'idée de détruire Tilted Tower. En fait, ils ont pas voulu la supprimer, ouais, comme ça, en un claquement de doigts. En fait, ils ont voulu faire un geste en fait de la détruire mais pas avec leurs propres moyens, ils l'ont détruit, enfin ils veulent la détruire avec une comète on dirait. Parce que comme vous voyez cette boule bleue qui est dans le ciel juste à côté du soleil. Regardez elle est encore là-bas. Et ben en fait elle est en direction de Tilted Tower. Regardez. Alors la boule bleue elle est ici, là. Donc moi je suis là, je regarde devant moi et là si je tourne. En direction là où je vais, elle va sur Tilted Tower. Donc en fait, vu qu'il y a des professionnels de jeu en fait qui ont trouvé des fichiers. So problem, fucker. Alors, va-t-on faire cette kill? Yes! Ça a marché! Donc, bah, une kill avec, c'est pas si mal. Est-ce que je vois, lui, il l'a pas? Ah, si, il a la bombe légendaire. Donc, ça m'intéresse. Oh, tremplin en plus. Toi, tu me lootes bien, ce que je vois. Ok, donc, toi, tu viens. Toi aussi, par contre la corde du bras j'en fais quoi? Hop et voilà. Là je suis très bien stuff. Après de toute façon c'est le but de ce mode de toute façon. Merde, je l'ai pris en légendaire et en épique. Je vais prendre la gourde du brave avec. Oh par contre t'as loin la zone. Pas choix de la construire. Par contre si je me fais tuer, bah c'est pas grave. Après si je me fais tuer c'est pas grave, le but c'était de découvrir le lance-roquette, de toute façon. C'était pas de bah, faire le top 1, ça c'est sûr qu'il faut le faire, mais faut essayer après. Et bon ce que je voulais moi c'est juste vous faire montrer le lance-roquette. En fait. Merde, il y a un tremplin. Ok, il m'a pas vu. Oh il a pris le tremplin par contre, ça va être dur.
Alors, y a-t-il des petits retardataires? Non, ça a l'air d'aller. Par contre, je vais prendre le tremplin vu qu'il m'intéresse. Donc. J'aime pas trop traîner en tremplin parce qu'on peut vite se faire repérer et se faire tuer. C'est ça le problème. Ok, ça lance des roquettes. Là, je vais pas prendre mon lance-roquette guidé. Je vais prendre le lance-roquette sans guidage. Donc tout simple. Qui se fait tirer dessus? Mec, qui se fait tirer dessus par l'arrière. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, il y a un autre. Oh le bâtard! Et tout! Oh non, on est le con! Oh non! Et merde! Aussi, quand vous êtes face à un lance-roquette guidé, vous pouvez pas vous. Vous pouvez pas vous soigner tranquillement. Par contre, lui, il a fait un peu de la merde. Ok, 22 minutes pour Paladin. Alors, est-ce que ça marche ça? Ouais, ça marche. Donc, il reste une élimination en explosif et je vais le faire quand même avec vous. Il reste 3 paliers pour avoir double fonction. Par contre, celle-là, j'aimerais bien l'acheter, mais j'ai envie sur Breakdance. Électrochifle. Bon, c'est bon là, comment ça se passe? Ah voilà. Il me reste une élimination pour avoir le pour terminer la semaine 6. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas que ça, il y a des faucheurs. Donc il y a des paliers 100. Lance-roquette, c'est pour moi, fils de chien. Putain, il prend tout, il pique tout, tout.
Regardez la comète. Voilà, la voilà. Ah oui, je disais. En fait, les professionnels, je sais pas, de jeu ou quoi, ils ont été dans les fichiers de Fortnite, donc les. Le fichier du jeu à la racine, je vais dire ça comme ça, ou fichier du jeu. Ils ont trouvé. En fait, ils ont trouvé trois documents. Et en fait, il y a. Il y a le nom d'une comète. En fait, il y a. Dans le nom d'un dossier, en fait, il y a marqué comète phase 1. Après, il y a marqué comète phase 2. Et après, le troisième document, c'était comète impact. Donc, en fait, je pense qu'il y a la preuve que cette boule, bah, cette lueur bleue, va s'écraser quelque part sur la map. Et moi, j'ai une idée, donc c'est Tilted Tower. Parce que vous le savez tous que. Qu'elle est très fréquentée la ville. Ah, je crois qu'ils sont ici les télescopes. Il me semble qu'il y en a ici. Non, j'ai dû me tromper, il n'y en a pas ici. Bon, par contre, il a déjà pris un quelque chose, ça va faire chier. Ce n'est pas grave. Oh, il essaie de guider. C'est pas bon. Je bug. Ok, mais ça bug! T'as vas-y, ça. Je peux même pas faire ma dernière kill là. Palier 76. Un double fonction, il me reste 3 paliers. J'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas assez de pour les deux. J'ai pas assez de V-Bucks pour soit celle-là ou soit Breakdance. Parce qu'en fait, tu vois, si j'achète une des deux dans ce que j'aime bien, j'aurais plus assez de V-Bucks pour l'autre, évidemment. Genre, en fait, j'ai envie d'acheter Retro Shuffle et Breakdance. Mais bon. Oh, il y a des explosifs partout. Bon, on va aller où c'est trop? Anarchie. Il faut que je saute directement si ça serait cassé avec les. Bon, non, je vais pas sauter directement en fait. Donc là en fait. Yep, et voilà. Bam, bam, bam. Je vais sauter maintenant. La tempête. La tempête va se former dans 15 secondes. Enfin, la tempête. Je vais dire chat comme chat. La tempête se formera dans 50 secondes. Alors, il y a quelqu'un ici? Non, mais je vais atterrir sur la maison, il y aura déjà un gars juste à côté de moi. Plus ça bug, ça me casse les couilles. Désolé pour le langage. Bien sûr, faut pas que je trouve. Faut que je trouve que des munitions et pas de roquettes. Là, je trouve que de la pierre. Que des roquettes. Super. Ici rien du tout. Et ici rien du tout. Bah dis donc. Pas super en ce moment. Ah, lance-roquette, donc ça c'est le plus utile à combat rapproché de toute façon. Moi je trouve que le lance-œuf il est pas terrible. Après vous pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que le lance-œuf il est démodé. Enfin il est défaut. Je l'aime pas moi, perso. Ça va, je suis dans la zone, je vais monter tout en haut. Sûr, je vais à peine monter là. Je vais me faire démonter.
Il y a l'air d'avoir personne ici. Ça me semble bizarre. Attends, il y a du bois ici. Plus combien? 60, ouais, quand même. Wow. Il y a des bugs de connexion en ce moment. J'ai cru voir quelqu'un au tonneau là-bas. Non, c'est bon. J'ai rien vu. Par contre, on dirait qu'il n'y a personne. C'est bizarre ça. Parce que d'habitude, ici, il y a toujours quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un. Ici, je peux pas m'en empêcher de trouver une personne. Ici, il n'y a rien d'autre. Après, à côté, il y a quoi? Après, de toute façon, c'est simple. S'il y a quelqu'un, c'est moi ou lui. De toute façon, ok, du métal là. Par contre, là, c'est du métal. Ils en donnent 120, donc ça, c'est bien. En fait, comme vous le voyez, il y a des distributeurs d'armes aussi qui vont arriver par équipe Epic Games. Donc, en fait, le principe, en fait, c'est de. En fait, le principe. Buteur d'armes comme ça dans la map, et en fait vous devez donner du matériel en fait pour l'avoir. Par contre, à l'heure j'ai cru voir un. Ok, un kit de soins. Donc ça c'est bon. Oh, lance-roquette. Pourquoi ça m'énerve, je bug. Lance-roquette, roquette, après il y a quoi d'autre? Roquette, celle-ci. Hop. Maintenant, on va faire ici. Y a rien. Y a rien. Oh. Lanceur, mais bon, ça, c'est pas intéressant. Y a pas de code. Ici, c'est là-bas. Lance-roquette. Oh, de buggy, ça casse les pieds. Ok, roquette guidée, je pense. Il vient de ce petit roquette, il vient de. Ça m'énerve, je bug. Si quand vous avez... quand on a un PC connecté à une Freebox, c'est pas très top. Parce que vous savez que le PC prend max de connexion. Situation. Je viens, il est plus là. Ok, il y a déjà un colis, mais ça vient juste. Oh là là, il marre de. Casse en fait. On a même cassé quand on ramasse du bois ou ceci, ce, on est directement directement stuff de fou avec les matos. Oh mais je n'ai marre là de trouver que ça, alors donnez-moi un lance-roquette ou un missile guidé, pas des lance-roquettes à la con. Puis tout à l'heure j'ai reçu une roquette guidée mais je sais pas d'où. De toute façon, c'est simple. Si vous voyez une roquette guidée, ben c'est que son propriétaire n'est pas loin. Méfiez-vous. En plus, du coup, avec sa roquette guidée, vous avez même plus moyen de vous faire des bases, parce que dès que vous faites des bases, ben il y a quelqu'un qui vous la nique avec le missile guidé ou avec le roquette tout court. Oh, je n'ai marre de bugger. On va faire une petite base, mais bon, dans 2 secondes, je fais un garder direct. Hop. Ok, d'accord, il est là.
C'est chaud en fait, roquette, un PC roquette. Oh, il m'a touché. Je vais tous les recharger au pire. Je vais faire triple roquette au pire. Touché. Mais non, mais c'est une blague. Quoi? Zippy. Casse les couilles, les couilles, vous pouvez même pas jouer tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez être tranquille, vous, quand vous êtes déjà des adultes? Vous êtes tranquille, là. Putain, le soir, là, vous êtes tranquille, occupé du coup, sans que personne vous dise quelque chose. Et là, quand vous êtes gosse, il y a votre daronne qui vous appelle en disant que vous devez arrêter pour les cours. Bon, ben, je vais vous laisser là. C'est la fin de cette vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous, ça fera extrêmement plaisir. Allez, ciao!